Bon, je n'ai que des merci à formuler. Alors, c'est assez facile de construire un propos autour des merci. Tout d'abord, merci aux personnes en situation de handicap et aux familles sans qui cette idée de journée n'aurait pas pu se concrétiser il y a presque 10 ans et qui sont le moteur et le bien fondé de notre action collective. Vous l'avez dit, Monsieur le Président, et bon, c'est pas que la parade. Hein. Je pense que pour les amis qui sont là, l'ATI, vous l'avez en face de vous. Mais bon, j'ai d'abord, je reviens au texte. J'ai d'abord, vous voyez, quand on s'échappe, c'est terrible. Hein. Mais je vous parlais du désir tout à l'heure, à la fin. J'ai compris des choses encore aujourd'hui. Mais j'ai d'abord une confidence à vous faire. C'est bien, je crois, une histoire d'amitié qui me lie à Pelletier, avec ses maires. Je sais que Christian Bourrel est là, ses adjoints, ses acteurs culturels actuels, Jean-Michel et Benjamin. Une histoire sportive aussi, qui m'a amené à Pelletier sur mes vieux jours, à 30 ans. Et c'est surtout à Pelletier que j'ai fait mes premiers pas de professionnel auprès des personnes en situation de handicap et de leur famille. Et une famille m'écrivait ces jours-ci pour me reparler de Bernard et de Jean, les deux premières personnes que j'ai accompagnées dans le premier service de suite, ça s'appelait comme ça. Nous ne parlions pas de protection juridique à ce moment-là. Mais Pelletier, par-delà la bienveillance des villageois, dont quelques-uns sont dans la salle, c'est cette qualité d'accueil que je veux retenir et qui est symbolisée par cette salle du théâtre Laloma. C'est vrai qu'on est bien et que je ne concevais pas d'animation de journée ailleurs qu'ici, même si nous avons été d'abord à Cap Cinéma. Mais c'est ce théâtre magique de Pelletier qui a permis la maturation de nos journées. Je voudrais... Notre président l'a dit, notre présidente aussi, dire avant tout un merci à mes collègues. S'ils pouvaient parler, si Siri pouvait parler et me lire, ah ben je pourrais essayer. Tiens, peut-être vous, ça peut faciliter les choses. Donc, mais, vous voyez, j'ai perdu toutes mes pages. J'ai eu l'idée de le faire en PDF parce que c'est plus simple, ouais, je vais les retrouver déjà. Alors, mes collègues de la TDI, aux anciens comme nos deux Nicole, Terral et Coursière, anciennes de Je fais aujourd'hui partie, qui avec Nadine, moins ancienne, mes chevilles ouvrières de notre ATDI, ont cru à la nécessité d'agrandir le cercle de nos alliances constructives. Sans coopération, vous l'avez dit Jean, il n'y a pas de projet personnalisé, pas de parcours de vie coordonnées des personnes. Sans l'âme de la coopération et donc du questionnement de l'autre, nos fonctions de tuteur ou curateur n'apparaîtraient que par trop dans leur épaisseur instrumentale ou technicienne ou experte. Oui, un double merci aux professionnels de la TDI, à l'équipe de la TDI, à chacune et à chacun de l'unité des droits et de l'unité sociale. Notre directeur l'a redit tout à l'heure, votre charge est très lourde. J'ai une pensée particulière pour les délégués dont la charge psychique est très forte et parfois mise à mal. Parfois, on peut avoir des moments naturels, légitimes de découragement. Ah, c'est dur, hein? Alors, faites-moi rire un peu. Sera plus sympa. Alors, mais la TDI, c'est vous qui l'avez faite et qui l'a portée dans son esprit associatif et esprit de bienveillance à l'égard des personnes accompagnées. C'est vous qui l'enrichissez, même si je lis un peu vite, excusez-moi, je m'accroche. C'est vous qui l'enrichissez de votre professionnalisme, c'est vous qui le manifestez chaque jour par votre action professionnelle, empreinte d'humanisme et de solidarité envers nos adhérents familiaux. Nous sommes une association familiale aussi. C'est bien vous, chers collègues, qui, avec votre directeur Patrick et Isabelle, nouvelle directrice adjointe, c'est vous qui êtes les promoteurs dans votre quotidien de pratiques sociales les plus humaines possibles. Vous le faites aussi à l'équipe, avec l'incontournable Nadine, elle va m'offrir des fleurs ce soir. Nouvelle responsable administrative et financière, vous le faites aussi comme assistante de direction, comme délégué, je le disais évidemment, comme attaché juridique, assistante de pôle,
bref, comme accueillant avant tout de personnes fragilisées. Et merci, Monsieur Ibal, qui nous a éclairés, parce que les mots sont toujours porteurs de sens. J'étais le témoin du grand respect dont vous faites preuve à l'égard des plus fragiles et de leur famille. Vous savez faire vivre le réseau d'entraide et de soutien autour des personnes en situation de handicap à travers nos services d'emploi familiaux. Merci à Marie et Nathalie. Et d'information des familles. Vous savez être dans une posture permanente d'écoute qui permet à chacun d'interagir au mieux dans la complémentarité des fonctions et des missions. C'est bien grâce à vous et à ceux qui ont travaillé à la TDI, qui sont passés professionnellement et qui, certains sont là, d'autres n'ont pas pu venir. C'est grâce à vous tous que nous sommes là. Sans vous, point de journée à TDI, je voulais le dire et vous applaudir. Merci évidemment à nos gouvernances associatives, gouvernance au sens d'associer les parties prenantes. Les parties prenantes, c'est les salariés, c'est les familles, c'est les professionnels, c'est les administrateurs, les associer autour d'un projet collectif, dans des modes de structuration de nos rapports qu'a évoqué Patrick, qui doivent être construits collectivement. C'est ce qu'on a essayé de faire à la TDI, que vous allez continuer. On est en perpétuel apprentissage, mais ça suppose de la confiance sans laquelle rien n'est possible dans l'accompagnement de nos projets associatifs. Jean, je ne pouvais pas te répondre tout à l'heure, je le fais maintenant, à notre ancien et récent président, parce que ça fait 6 mois, 1 an. On est tous des récents. Madame Chabal, c'est une récente directrice de la cohésion sociale. Notre nouvelle présidente, Michel, les membres du bureau, Suzanne, Maggie, Marie-Claude, les deux Pierre, comme je le dis, Pierre Angulaire, de la TDI, et les autres administrateurs fidèles et dévoués, c'est pas un vrai mot. La TDI, donc, dans ses différentes composantes politiques et professionnelles, a accepté ces derniers temps, je ne vais pas vous refaire le couplet de Jean, mais de se questionner sur l'avenir associatif, très rapidement. L'avenir associatif, c'est celui d'une transition institutionnelle, au sens de ce qui nous lie aux autres et nous relie à un projet commun, qu'il soit professionnel ou sociétal. Vous y êtes. Avenir associatif fait aussi de transmission de savoir, de culture, de plaisir de travailler ensemble, de solidarité professionnelle, mise à l'épreuve, mais aussi fortifiée quand le bateau tangue, sous la charge ou sous le vent. De nos partenaires. Je vais essayer de me sortir, mais comme les partenaires, c'est aussi ensemble, c'est difficile. Bon, merci à nos partenaires des coopérations en marche. Jean-Lotte, Valérie, Julie, Sarah, Thibault, Nicolas, Françoise. J'associe Christian, Hugo, Guy, Albert de la GATT, qui ont toujours cru avec nous et qui acceptent de co-construire ensemble, dans nos différences, un chemin commun. Merci à nos fédérations UNAPI, Région pour le travail fédératif, mais aussi à Benjamin, tu l'as dit, Jean, à la PHJH, à l'APF, à Frédéric, qui est là, à Paulette, à Roger, que vous avez vu en film tout à l'heure, à Bernard de la Flatte, qui s'excuse, à Anne-Marie, qui a une réunion ARS de l'UNAFAM, à Jean-Pierre, présent aujourd'hui. Merci à nos amis de nous aussi, qui nous interpellent très justement, qui interpellent très justement notre société. Merci Alain, Joseph, Momo, les acteurs, Johan, Yannick, Franck et tous vos collègues membres de nous aussi. Nous apprenons énormément de vos richesses, mais aussi de vos faiblesses qui nous rappellent... C'est pas fini, qui nous rappellent les nôtres. Monsieur Ibal nous a justement éclairé sur cette question, sur celle de nos vulnérabilités. Merci à nos collègues et dirigeants associatifs de l'interassociation, Agathe, APAM, UDAF. Merci à André, présidente de l'UDAF, et à son directeur Thibault, qui a accueilli la TDI au sein de sa gouvernance il y a près de 2 ans, en nous faisant l'honneur de nous accepter comme administrateur UDAF. Merci à cette coopération active qui est en train de naître au sein du collectif Andiode,
Elle illustre combien l'on peut faire sens commun autour des besoins et attentes des personnes et participer, Madame Chabal l'a dit, à une forme de co-construction des politiques publiques, tant sur un plan technique que politique. Merci aux représentants de la cohésion sociale et on vous doit beaucoup, Marie-Josée, et elle est là, qui se sont intéressés tout de suite à notre aventure collective, loin des injonctions de fusion et regroupement, qui éloignent le plus souvent les organisations et institutions de la singularité des réponses à apporter. Merci aux représentants du département qui étaient là ce matin. Je veux de ce point de vue saluer le travail que nous faisons avec le conseil départemental et la MDPH, avec Madame Sandranier, présidente de la commission autonomie, et Madame Roumania. Pour ces journées à TDI, je voudrais aussi remercier Stéphane et Philippe, j'en profite cette année mais ça se termine, qui nous ont aidés à travers leurs tierces personnes à renverser la table de la loi, en quelque sorte la table de la pensée descendante, et Marie-Josée l'a bien évoqué tout à l'heure. Cette pensée en action, c'est ce que nous essayons de développer, qui viendrait moins d'en haut, mais plus du quotidien de ce que nous vivons tous, que nous soyons en situation de handicap, famille et professionnel. Bon, réalité du quotidien, si l'année qui vient petit à petit nous donner l'expérience du commun, du faire ensemble. Ah, je reviens à Madame Chambal, je dois être amoureux de vous. Merci. Merci beaucoup à notre marraine, Marie-Josée, directrice de la cohésion sociale, il y a encore aussi peu de temps, dans chacune de ses grandes responsabilités, elle nous a apporté et donné sa confiance. Grâce à elle, les autres autorités préfectorales, je dis les autres autorités préfectorales, dont le préfet, se sont intéressés à nos projets associatifs, tout en nous soutenant dans notre œuvre commune. Donc merci Marie-Josée de tout ce qu'elle a pu exprimer tout à l'heure. Merci à Claude Bertard et Jean Pélissou. Claude Bertard, c'était le premier président, il est resté un certain nombre d'années. Et Jean, le dernier président, deux hommes clés de nos fondations et refondations. Et maintenant, c'est Michel Bonal pour la dimension prospective et solidaire qu'elle va amener avec Patrick, Isabelle, Nadine, toute l'équipe des salariés et administrateurs de la TDI. Jean, tes propos m'ont beaucoup touché, j'aurai l'occasion de te le dire. Je voudrais saluer, parce qu'il faut rendre à César, même si je suis un laïc, ce qui est à César. Merci à notre maison mère et à ses dirigeants actuels, Jean-Paul, Jean-Marie, Jean-Claude, René, André, je crois que certains sont là, sans qui nous ne pourrions pas faire mouvement, ni aussi faire société, comme nous y invitent nos amis de l'URIOPS Occitanie. Un peu de pub. Alors, j'en termine. En écrivant, j'ai fait ma thérapie un peu aujourd'hui, un peu d'analyse sauvage, mais je la confierai à d'autres peut-être. Amitié, histoire d'amitié, je le dis avec Penautier, avec vous, mais aussi d'amour, j'y reviens. Oui, j'ai dit j'y reviens parce que je croyais que j'en étais parti. Mais... Donc merci à mes deux filles, à leur mère, mais aussi à mes compagnes et plus largement à ma famille. Je reviens au texte. Vous avez vu que j'ai parlé de mes compagnes parce que dans mon parcours de vie, c'est important. Elles ont joué un rôle important, elles m'ont toujours soutenu. Toujours. Soutenir l'autonomie dans nos propres parcours, mais aussi dans nos parcours de vie associatifs, c'était notre slogan des 40 ans, cela allait toujours. Vous savez, j'ai énormément appris de la construction associative et de ses trajectoires qui se confondent aussi un peu, ça doit être un peu plus le cas pour moi, mais avec nos propres trajectoires personnelles. Trajectoires collectives, elles ne se confondent pas, mais en tout cas elles se croisent, elles se prolongent ensemble. Il faut que ça soit équilibré pour que chacun y trouve son compte. Et de ce point de vue, je crois que, sincèrement, que nos associations de l'économie sociale et solidaire peuvent, à mon sens, être retenues comme de nouvelles formes. Je l'ai vécu comme ça. Sociale de l'individualité moderne, dans un rapport au monde et à soi. Quand on est dans une association, on a un rapport à des besoins collectifs, au bien commun, mais on a un rapport aussi à soi, à son propre développement. C'est ce qui construit, c'est ce qui m'a construit. Alors on va un peu... Il reste une page.
page. Une page. Deux minutes. Deux minutes. Excellent, excellent, excellent. Alors j'aurais bien connu, bon je vais dire grâce à toi Alain. C'est de deux dimensions dont je parlais, hein, parce qu'on apprend des autres et les autres vous apprennent de soi. Hein, c'est ce qu'on a appris aujourd'hui. Je vais avoir une pensée aussi pour Pierre Savignan, président de la SFE et parrain de notre démarche de coopération en marche. On a déposé la marque il y a 5 ans, Thibault. Cette coopération qui ressemble au chemin du bricolage. Alors, je vous invite à rêver, mais bon, s'agissant de moi, c'est pas top, mais rêvons un peu. Et si le bricolage était une forme de poésie, qui viendrait aussi et surtout de ce que ce bricolage ne se borne pas à accomplir ou à exécuter, alors nous serions tous poètes. J'aime bien cette approche. J'ai paraphrasé, mais bon, je me suis enrichi de ce qu'avait écrit l'ethnologue Lévi-Strauss sur la question du bricolage. Et sur le fait que le bricolage, il raconte souvent et tout simplement quelque chose de la vie du bricoleur à TDI. Alors, Benjamin, est-ce qu'il est là? Il a dû partir. Alors, il ne pourra pas me contredire, donc je vais en profiter. Alors, s'ajouterait au nouveau concept, le mien, entre guillemets, de bricolage, le concept de libido social, c'est-à-dire le plaisir de faire ensemble, comme dirait Benjamin Lillier, de l'Uriops, en reprenant les propos de quelqu'un que je commence à connaître, mais qui se cherche un peu encore dans sa quête de maturité. Alors, il aurait dit, ah, mais c'est toi qui l'as dit, la libido sociale, à une journée très sérieuse. Et le désir, tu sais, me disait Benjamin, il s'origine, en tout cas il s'incarne le plus souvent dans le manque. Pour quelqu'un comme moi qui a eu beaucoup de désir à construire avec vous ces journées, il y a une logique, vous allez voir. Donc si j'ai du désir, c'est parce que ça s'origine dans le manque. Et donc on pourrait naturellement en déduire que j'ai dû avoir beaucoup de manque et que j'ai bien compensé. Dans ma vie, je laisse naturellement cette approche au docteur Günther, Patrick. Mais si je vous dis cela, c'est certainement pour badiner, mais en même temps, vous savez qu'en creux, il y a toujours des choses très sérieuses, vous l'avez compris. Je dis tout cela parce que vous allez certainement me manquer. Je reprends le raisonnement et j'arrive à ma dernière page. Alors, suivant toujours le même raisonnement, si vous me manquez, je peux raisonnablement espérer avoir d'autres désirs encore et rester bien vivant avec vous, bien sûr, mais aussi avec d'autres sur d'autres chemins. Bon, alors, je propose à personne de faire une interro écrite après avoir visionné les 1h15 qui restent d'interview de Madame Prieur. Mais bon, je veux redevenir sérieux. Vous souhaitez que vive la coopération, qu'on soit toujours un peu fou dans nos aventures collectives, qu'on puisse cultiver le désir et les projets au sens large, comme nous y invite si bien Nicole Prieur, notre psychothérapeute du jour. Merci encore à tous et buvons un bon coup.